Maintenant, l'un des moments forts de ce championnat de France, c'est Ludivine Furnon qui est impressionnée par l'accueil qu'elle reçoit. Troisième des derniers championnats du monde au sol, c'est sa spécialité. 1 minute 30 de régal et de bonheur pour cette petite Nîmoise de 14 ans et demi. Regardez bien l'entrée. Double tendu. Fort. Les photographes n'en manquent pas. Vignette. Oui, avant percuté, celle toi avant tendu. Dernière diagonale. Et le public l'accompagne. Oh oui. Ah ben oui, ben oui. Ben oui, ça fait rien. Un petit peu basse cette vrille salto arrière. Ludivine qui arrive à genoux. Mais l'essentiel, regardez. Isabelle Severino, l'aînée de cette équipe de France qui vient la consoler. Va-t-elle pleurer? Non, je ne pense pas. Le plus gros est fait maintenant. C'est-à-dire qu'elle a sa notoriété, elle a obtenu cette médaille de bronze grâce à un sol éclatant. Aujourd'hui, eh bien, devant des millions de téléspectateurs, elle commet une petite faute en fin de parcours. Que peut-on demander à une gymnaste de 14 ans? On ne peut pas être au plus haut niveau tout le temps. Mais là, vraiment, elle avait fait